Frèm sèm, bonsoir. Nous comptons ensemble avec vous après-midi, qui se sabat 6 avril, pour nous capables ensemble introduire le son pour semaine. Avant nous commencer, nous invitons pour qu'à baisser tes tout, pour nous capables prier. Éternel Dieu, Papa nous qui est dans le ciel là, nous nous bénissons. Merci pour journée de sabbat ça, côté accordé nous. Alors que nous prenons introduire le son pour semaine, nous demandons pour pardonner péché, nous pardonner faute nous. Imprégnez nous de cet esprit où, on s'en va comprendre et mettre en pratique tout ça qu'on voulait apprendre nous. Avec nous, dirigez-nous. Nous ne sommes pas dignes, mais si nous prions, c'est dans notre petit tout Jésus qui vit qui règne au siècle des siècles. Amen. Bienvenue, une autre fois encore, Frère Maxime. Eh bien, nous avons étudié deuxième leçon. Leçon 1 pour titre la question centrale, l'amour ou l'égoïsme. Question centrale là, l'amour ou bien égoïsme. Verset à mémoriser, c'est dans Ésaïe 41, verset 10 que nous jeunes. Il dit nous comme ça. Ne crains rien, car je suis avec toi. Ne promène pas des regards inquiets, car je suis ton Dieu. Je te fortifie, je viens à ton secours. Je te soutiens de ma droite triomphante. Amen. Eh bien, dans l'introduction leçon 1, yo dit nous comme ça, mettons en place yon berger. On dit que vous êtes berger, ou gagne un troupeau. On troupe ensemble avec vous, ça veut dire qu'on garde plusieurs moutons. Eh bien, on trouve sous le mont des Oliviers. Mont des Oliviers, c'est une montagne, ok, qui lorsque lui, on garde ville Jérusalem en bas. Eh bien, il dit pendant que donc Jean nous a introduit le son, c'est comme si il prend nous, il mette nous dans temps Jésus. Eh bien, pendant où sous mont des Oliviers, ça passe, on attendait des voix. Et immédiatement, ou reconnaître voix Jésus. Ok? Et ça, Jésus a dit, li étonné. Ok? Même pour disciples, ça était difficile pour comprendre. Eh bien, alors que le soleil a couché, eh bien, le soleil a brillé sous tête temple. N'a pas rappelé que temple, temple Jérusalem, il était fait, tête là, c'était un dôme d'or. Ça veut dire, tête là, il fait en rond. Ok? Et li te en or, donc wap gade Jean dôme temple a brillé, la brillé vraiment éclatant. Eh bien, ou tande Jésus font déclaration. Déclaration que le fait, c'est ça nous joigne dans Matthieu 24, verset 2, quand il dit, je vous le dis en vérité, il ne restera pas ici pierre sur pierre qui ne soit renversé. Eh bien, parole ça étonne. Jésus dit comme ça, bel temple ça que n'a gade ya, eh bien, pas gen un wash ka prete sous li, tout temple la va détruit. Eh bien, disciples te perplexe, yon pas ka comprendre. Eh bien, ou même tout, ou perplexe, ou nous même encore, jounen jodi ya, si ou te trouve en place disciples, ou ta perplexe, ou ta dit, mais comment faire yon bagay comme ça ka arrive, comment faire ça pral arrive? Eh bien, qui ça, Jésus te vle dit, nan parole sa yon? Eh bien, qui rapport parole ça yo te gagné avec la fête du monde et qui ça Jésus te voulait dire? Eh bien, yo dit nous attendez avec un pile attention. Jésus mêlé magistralement événement qui te conduit à destruction temple, ok? Et ça qui gagné pour dérouler avant retour. Donc, Frère Maxime yo, Matthieu 24 verset 2 son prophétie qui gagné deux volets. Li gon volet qui rivait déjà, li gon volet qui pour arriver. Volet qui arrivait déjà, effectivement, en l'an 70, empereur Titus était rentré et il était détruit top Jérusalem. Nan. Mais, deuxième volet, li gen pou loué avec ça qui a va gagner le futur, qui c'est et le retour de Jésus. Frère Maxime, donc, les nous appelons Matthieu 24, les appelons prophétie Matthieu 24, là, c'est deux parties, li gon partie qui fait déjà. Temple li détruit et effectivement les temple détruit l'empereur Titus rentré li détruit temple et bien ça vient faire cesser question service tout service qui t'a fait et dans temple bagay sa yo et yo campé et jusqu'à présent temple Jérusalem dans li poko reconstruit OK et c'est là ça on pral vinn gagner que tout juif yo pral éparpillé dans la diaspora ça veut dire yo pas bien service dans temple juif là d'ailleurs. Ok, bon Dieu lui-même, la mort de Jésus, te geta chire voile ta plan en deux. Ça veut dire que, top ça, li pa ta brete encore. D'ailleurs, tout ça que Jésus te, tout ça que te kon fait dans le temple, c'était préfiguration de Jésus. Donc, c'est
normal pour prophétie ça lui-même l'était accompli parce que avec la mort de Jésus moun bon Jésus bon Dieu pas permettre que pour moun continuer à venir bay sacrifice non top alors que eh bien tout ça qui t'a fait yo yo t'est doué abouti avec la mort de Jésus. Mais maintenant qu'est-ce qu'il en est pour la deuxième partie et pour ça qui vient gagner pour le futur? Eh bien pour le futur il y a un rapport avec le retour de Jésus qui a venu pour une seconde fois. Eh bien, on continue, dans la destruction de Jérusalem, nous découvrons une préfiguration de la stratégie de Satan pour séduire et détruire le peuple de Dieu à la fin des temps. Donc, nous voyons tout que Satan lui-même, il a une stratégie pour le capable séduire et pour le détruire le peuple bon Dieu à la fin des temps. Eh bien, instruction que Jésus baye dans Matthieu 24, il décrit clairement événement qui a bien pour arriver dans dernier temps yo. Frère Maxime yo, dans contexte destruction Jérusalem nan. Eh bien, étude semaine ça, il a consacré double stratégie et il a consacré pour permettre nous comprendre double stratégie que Satan gagne pour le séduire et pour le détruire peuple bon Dieu ya. Eh bien, malin, il pas réussi fait. OK. Et à travers persécution, OK, li espérer pour le faire à travers compromis. Pas oublier que dans temps et destruction temps là, nous dans Matthieu 24, bon Dieu, Jésus t'a demandé disciples pour te fuir, pour te aller parce que si tout disciples étaient rentrés dans ville Jérusalem là, yo t'est mouri, eh bien, qui Jean l'église primitive t'a pas le faire et bougeonner pour prêcher l'évangile de par le monde. Eh bien, c'était une première stratégie que Satan lui-même était gagné tout parce que l'empereur Titus, il pensait que s'il était il t'a détruit temple et tout disciple t'a là, eh bien tout le monde t'a mouri donc l'évangile t'a tout mouri mais non. C'est ça que fait Jésus, il était annoncé disciple. Eh bien, ça gain pour arriver oui, eh bien chapé pour nous. Et bien c'est de même journée jeudi hein dans fin temps les Jésus d'ailleurs c'est dans fin temps nous y bon nous pas qui pour nous dire dans fin temps encore d'ailleurs c'est dans fin temps que nous y donc fait nous faire attention pour les nous avons une série de bagailles à faire pour nous parer pour nous chaper pour nous. Et bien étude ce maintenant lui consacrer avec sujet ça. Et bien nous voit que je dis nous mais Dieu n'est jamais pris par surprise et même dans les moments les plus difficiles, il préserve son peuple. Ça veut dire que nous voyons que Jésus t'a annoncé disciples ça qui t'est gain pour arriver à. Et bien c'est comme ça disciples t'échappé. Et bien c'est comme ça que l'évangile a été bougeonné jusqu'à ce que nous-mêmes nous venions connaître je ne je dis. C'est de même. Et bien et bon Dieu, il a annoncé que gain monde qui a prêté vivant, les Jésus va retourner. C'est ça qui fait que nous va gain pour nous chapper pour nous. C'est pas nous tout qui a prêté vivant au retour de Jésus. Mais et bon Dieu gen plan pour nous, li gen plan pour nous pour capable nourrir nous, pour capable prendre soin nous les moments difficiles, persécution y a va arriver. Le sosa nous a étudié pour sabbat 13 et le sosa ou capable lire livre tragédie des siècles chapitre 1 et 2 pendant que ou a étudié pendant semaine. Et frère Maxime yo c'est comme ça nous introduit le son hein, nous inviter pour baisser tête tout pour nous capable prier. Éternel Dieu papa nous qui nous sommes là, merci parce que toujours fait provision pour petit tout. Merci Seigneur Dieu parce que dans moment difficile yo c'est pas nous qui va résister mais c'est ou même qui va ba nous force pour nous résister. C'est ou même qui va mettre une double portion dans nous même pour nous faire face à ça qui va arriver nous. Seigneur Dieu, continuez préparer nous davantage pour nous capable prêt et pour nous capable surmonter toutes les difficultés. Bénis-nous, bénis-nous maintenant pour nous. Nous pas bon pas digne, mais si nous prions c'est dans le nom petit de Jésus qui vit qui règne au siècle des siècles. Amen. Merci et merci encore une fois. Frère Maxime, nous t'es content ensemble avec vous. Nous invitons pour partager introduction leçon 1, partager leçon 1 de manière à ce que l'autre monde tout capable toucher de message ça. C'était Foy Ismaël chéri. Que bon Dieu bénisse.